Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 5 de Fortnite saison 8. Alors je vais commencer par vous présenter tous les défis du personnage Lycan. Alors le personnage Lycan, vous allez devoir le trouver au camp de la morue qui se trouve juste ici sur la map. Donc attendez, je vais vous le montrer. Donc juste ici, en dessous de Cathy Corner. Donc, vous allez devoir vous rendre ici. Alors je ne sais pas exactement son emplacement exact, mais en description, en commentaire épinglé, je mettrai les emplacements, enfin l'emplacement du personnage en vidéo dans l'espace des commentaires. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous ne trouvez pas le Lycan, donc le personnage Lycan. Donc dès que vous aurez trouvé le personnage Lycan, vous allez devoir lui parler pour accepter et déclencher la série de 5 défis. Donc les 5 défis vont vous demander, le premier défi plutôt va vous demander de faire une émote à la station météo, au fort La Crêpe ou au phare de Loki. Alors là je vais me rendre à la station météo pour vous montrer où c'est exactement. Alors la station météo, j'y arrive, c'est juste ici, donc regardez, c'est à côté du personnage Chimpanzee Sky, donc voilà juste ici. Je vous le montre sur la carte, c'est en dessous de Cathy Corner, donc c'est juste à côté du camp de la morue. Hein. Donc moi je vous conseille d'aller faire une émote à cet emplacement là. Donc le fort La Crêpe, c'est juste ici à côté de Bellevere Beach. Je vous montre juste ici, je vais pas m'y rendre, ça sert à rien. Et le phare de Loki, c'est juste ici. Hop. Donc soit vous rendez à l'un de ces deux autres emplacements, mais moi je vous conseille directement de vous rendre ici à la station météo qui est juste à côté du personnage Lycan. Comme ça, vous pouvez enchaîner les défis. Donc quand vous êtes ici, vous allez devoir juste taper une petite émote pour valider le défi. Si vous vous rendez aux deux autres emplacements que je vous ai montrés sur la carte, il faudra aussi taper une petite émote pour valider le défi. Donc quand vous aurez validé le premier défi, le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des animaux sauvages avec une arme de mêlée. Donc pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux sauvages de Fortnite saison 8. Donc bien évidemment sur cette map, sur cette carte que je vous ai affichée, les emplacements sont un peu aléatoires. Parfois les animaux apparaissent, parfois ils n'apparaissent pas. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez un véhicule et vous voyagez un peu partout dans la map jusqu'à temps de trouver des animaux sauvages. Bien souvent, moi j'en trouve entre Cathy Corner et Retyro. Donc là par exemple, hop, je suis à Cathy Corner, je vais me diriger vers Retyro et entre le chemin de Cathy Corner et Retyro, bien souvent, il y a des sangliers, des loups, etc. Donc je vais regarder, genre par ici normalement, il y a souvent des animaux. Là apparemment, je n'ai pas de chance parce qu'il n'y en a pas. Donc c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour de Retyro pour voir si j'en trouve pas. Parce que parfois ils sont un peu, ils ont un peu bougé, hein, ils se déplacent, donc il faut un peu les chercher. Donc à première vue, il n'y en a pas qui se trouve près de Retyro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers l'Azilek. Ok, donc j'en ai trouvé à l'Azilek. Donc là, ici, derrière la maison d'architecte, il y a deux sangliers et une poule. Donc ce que vous devez faire, c'est prendre votre pioche et infliger des dégâts aux animaux sauvages. Alors les animaux sauvages, c'est les poules, les sangliers, les loups, les dinosaures s'il en reste. Les grenouilles, je ne sais pas si c'est compris comme des animaux sauvages, mais vous pouvez toujours essayer. Et il y a aussi le requin. Mais bon, infliger des dégâts avec la pioche au requin, c'est faisable, mais c'est très risqué. Donc regardez, là il y a un requin. Je vais essayer de lui infliger des dégâts, mais franchement c'est très risqué parce que il fait assez mal. Donc ce que vous pouvez faire, c'est l'attirer. Ok, donc là je vais savoir le taper. Ok, j'ai même pas réussi à le taper. Je vais essayer de l'attirer. Pour essayer qu'il saute hors de l'eau. Et quand il sera hors de l'eau, j'aurai plus facile à l'attaquer. Donc en fait, dès que je m'approche du requin, même s'il ne m'attaque pas, ça m'inflige des dégâts. Donc c'est très compliqué, je crois. Attendez, je sais ce que je peux peut-être faire. C'est lui lancer un poisson pour voir. Je vais essayer de l'appâter comme ça. Hop. Ok, il essaie. Hop. J'essaie de l'attaquer. Non, je pense qu'on ne peut même pas l'attaquer à la pioche, en fait, le requin. Donc il faut absolument trouver des sangliers ou alors des poules ou des loups aussi. Les loups aussi, vous pouvez les attaquer aussi avec la pioche. Et pour finir le défi, vous devez infliger 42 dégâts aux sangliers ou aux loups. Donc attendez, je vais essayer de renvoyer de la viande pour voir si ça les attire. Ça n'a pas l'air de vouloir les attirer. Ah si, ça les attire. Ah non, quoique, même pas. Ah, c'est un peu compliqué, hein, mais voilà, vous devez mettre 1, 2 ou 3 ou 4 coups de pioche pour valider le défi.
Donc quand vous aurez validé ce défi avec les animaux sauvages, vous allez devoir détruire une benne à ordures à Lazy Lake ou à Pleasant Park. Donc des bennes à ordures, je vais vous montrer trois emplacements qui se trouvent à Lazy Lake. Donc là, je me dirige vers Lazy Lake. Et ensuite, je vous montrerai deux emplacements qui se trouvent à Pleasant Park. Là, je vais déjà vous montrer les deux emplacements à Pleasant Park. Donc je ne vais pas m'y rendre hein, parce que je vais vous le montrer exactement où il se trouve à Pleasant Park. Donc, vous rendez à Pleasant Park et juste ici, à côté de la maison d'architecte, sur la gauche, au rez-de-chaussée, donc au sol, il y a une benne à ordures qui se trouve juste là. Et il y a une autre benne à ordures qui se trouve au coin de la ville, donc en haut à gauche, juste ici. Là, c'est deux bennes à ordures que vous allez pouvoir détruire. Ici, à Lazy Lake, il y a quatre bennes à ordures. Donc, il y en a deux qui se trouvent juste ici. Ça, c'est deux bennes à ordures. Ce que vous devez faire pour terminer le défi, c'est simplement en détruire une des deux. Voilà, mais je vais quand même vous montrer d'autres emplacements au cas où quelqu'un d'autre serait passé avant vous. Donc, il y a un autre emplacement de benne à ordures qui se trouve juste ici. Regardez, c'est la benne à ordures jaune. Donc là, justement, ben, je l'ai affiché. Je me demande si on peut jeter de la nourriture dans les bennes. Je vais tester ça. Attendez, on va tester ça. Si j'arrive à construire, bien évidemment. Hop. Est-ce que je peux le jeter? Non, ça marche pas. C'était juste un test. Donc voilà, là, c'était la troisième benne à ordures. Je vais vous en montrer une quatrième qui se trouve en plein milieu de la ville de Lazy Lake. Qui se trouve juste ici, regardez. Donc là, en plein milieu, il y a les parasols et tout ça. Et la quatrième benne à ordures de la Zilek se trouve juste là. Donc vous avez juste à en détruire une pour terminer le défi. Alors ensuite, le quatrième défi va vous demander d'éliminer des monstres du cube avec une arme de mêlée dans les détours. Alors les détours, c'est tout simplement les lieux, les gros ronds que vous pouvez voir sur la carte. Quand vous ouvrez votre carte, il y a toujours un rond comme ça. Donc ça, c'est un détour. Alors, il peut le spawn n'importe où hein, sur la map, dans n'importe quelle ville. Donc, vous ouvrez votre carte. Dès que vous voyez un rond comme ça, ça veut dire qu'il y a un détour. Vous allez devoir vous rendre dans ce détour. Ou alors, vous pouvez rentrer dans d'autres petits détours donc, qui sont représentés par des anomalies, enfin des petites failles comme ça. Donc, il y en a une ici, il y en a une ici et il y en a une autre là-bas. Donc elles apparaissent toujours par trois, donc quand il y en a une qui disparaît, il y en a une autre qui réapparaît autre part. Et en fait, quand vous approchez de ces failles, ça crée un petit détour. Pas un aussi grand que celui-là, mais ça crée un petit détour où justement il y a des monstres du cube qui vont apparaître et que vous allez pouvoir tuer avec votre pioche pour terminer le défi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à Retiro, donc c'est pas par là. Je vais me rendre à Retiro dans le détour qui est présent. Donc on peut le voir, hein, c'est la grosse boule là-bas. Attendez, je vais vous la montrer. C'est la grosse boule là-bas. Et quand vous allez vous rendre dans ce détour, vous allez devoir tuer 5 monstres du cube pour valider et terminer le défi avec votre arme de mêlée, donc votre pioche. Donc là, c'est ce que je vais faire. Vous allez voir, c'est pas très compliqué parce que vous allez faire pas mal de dégâts. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis en fort d'empoigne que je fais beaucoup de dégâts aux monstres du cube avec ma pioche. Mais c'est possible qu'en partie normale aussi, vous fassiez autant de dégâts. On va voir hein, de toute façon. Là, regardez, je vais infliger 100 de dégâts au monstre. Donc j'ai juste à leur mettre 2 coups de pioche pour tuer le monstre. Donc hop, il y a même certains monstres que je tue en un seul coup de pioche. Voilà, vous avez juste à tuer 5 monstres de cette façon pour terminer et valider le défi. En plus, quand vous tuez un monstre, ça vous donne du shield, donc c'est plutôt assez tranquille et assez facile à réaliser. Alors le dernier défi va vous demander de vous déplacer à pied à Misty Meadow. Donc pour réaliser ce... Oh là, je suis bloqué, ok. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Misty Meadow, mais vous allez devoir vous rendre à pied. Donc là, je prends la voiture pour me rendre jusque là-bas. Mais après, je vais lâcher la voiture, vous allez voir. Donc voilà, là, je suis à Catty Corner. Je sors du véhicule en étant à Catty Corner. Pour être sûr que le défi se valide bien, je vais me rendre à Misty Meadow, donc qui est juste ici. Je vais m'y rendre à pied, complètement à pied. Parce que je ne sais pas si c'est vraiment... si par exemple on spawn à Misty Meadow et qu'on marche dans Misty Meadow, ça valide le défi. Ou s'il faut absolument rentrer dans la ville en étant à pied. Parce que là, si je rentre en étant à bord du véhicule, peut-être que le jeu va croire que je suis en véhicule et ça ne va pas valider le défi. Donc je préfère prendre mes précautions et y aller à pied. Donc je vous conseille de faire pareil. Vous vous rendez à Misty Meadow et vous y rendez à pied. Et ensuite, vous allez devoir marcher pendant 200 mètres pour valider le défi. Bien entendu, si vous essayez de vous rendre à Misty Meadow directement dans la ville après avoir sauté du bus et que vous marchez dans la ville et que ça valide votre défi, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour aider la communauté. Comme ça, ben, ils ne se prendront pas la tête à y aller à pied. Donc moi, je ne vais même pas prendre de petits cubes hein, et tout ça. Je vais vraiment aller à Misty Meadow à pied pour être sûr que ça valide le défi. Bien entendu, ça ne le validera pas parce que là, je fais les défis en avance.
Mais vous, quand le défi sera disponible, logiquement, ça devrait fonctionner. En plus, quand vous arrivez dans une ville, en bas à gauche de votre écran, ouais, je pense que c'est en bas à gauche, il y a le nom de la ville qui s'affiche. Là, je suis en labo de combat, donc ça ne s'affichera pas. Mais genre, par exemple, là, je devrais arriver à Misty Midon. En bas à gauche, il y a le nom de la ville qui s'affiche. Et là, logiquement, bah, je suis rentré à Misty Midon à pied. Donc là, j'ai plus qu'à faire 200 pas, donc 200 mètres, pour valider le défi et terminer la totalité des défis du personnage d'Ikan. Donc en réalité, en 10-15 minutes, vous pouvez faire tous les défis du personnage d'Ikan très facilement et très rapidement. Et maintenant, je vais vous présenter tous les défis du personnage Rabibosh. Alors, le personnage Raxi se trouve juste ici sur le gameplay. Donc je vous le montre, c'est juste ici, donc dans le cinéma en plein air. Donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement-là. Et normalement, le personnage Raxi devrait se trouver plus ou moins par ici. Donc si vous ne le trouvez pas, je mettrai une vidéo où, quand le personnage sera disponible, où je vous le présente directement en vidéo. Donc je mettrai le lien de la vidéo en description et en commentaire épinglé pour vous montrer l'emplacement exact du personnage quand il sera disponible. Mais logiquement, il devrait être par ici. Donc si jamais vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Alors quand vous avez trouvé le personnage, ce que vous allez devoir faire, c'est accepter les quêtes, donc accepter les défis. Et là, ça va vous déclencher une série de 5 défis que vous allez pouvoir réaliser. Alors le premier défi va vous demander d'acheter un objet de bouclier dans un distributeur automatique. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs automatiques, mais les distributeurs de soins uniquement, parce que les autres, les distributeurs d'armes, ne vous donneront pas de potions de bouclier. Enfin, d'objets de bouclier. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre à un distributeur de soins, n'importe lequel sur la map. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me rendre à Bonnet Burbs, donc juste ici, et je vais aller près du distributeur de soins m'acheter du bouclier. Ok, donc là, je suis arrivé à Bonnet Burbs et le distributeur de soins est juste ici. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous achetez des mini potions de bouclier, voilà, ou alors des grosses potions de bouclier ou du bleuvage. Mais moi, je vous conseille d'acheter des mini potions de bouclier parce que vous allez en avoir besoin pour le prochain défi. Je vais prendre ces pneus là aussi, hop. Et là, ce que vous faites, maintenant que vous avez validé le premier défi, le deuxième défi va vous demander de consommer à la fois une mini potion de bouclier et un poisson bouclier. Alors, ce que vous faites, c'est que vous utilisez votre potion de bouclier que vous venez d'acheter. Comme ça, vous validez une partie de l'étape du défi, voilà. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez vous rentre vers un détour. Hein. Moi, je vous conseille, là, par exemple, je vais à Dirty Docks parce que après, le prochain défi va à un rapport avec le détour. Donc, si maintenant, vous avez un détour à Believer Beach, rendez-vous à Believer Beach. Mais là, je vais me rendre vers Dirty Docks pour continuer le deuxième défi qui va me demander de manger un poisson bouclier. Donc, pour manger un poisson bouclier, il vous faudra absolument une pêche, une canne à pêche ou un harpon, etc. Donc, je vais vous montrer comment faire pour pêcher un poisson bouclier et qu'est-ce que c'est un poisson bouclier. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu au lac des canoës parce que je sais que là il y a toujours des cannes à pêche, il y en a vraiment blindé, hein. Il y en avait un là, un tonneau de pêche qui donne des cannes à pêche, il y en avait un là, il y en a un là, juste en face de moi, il y en a un sur juste là, il y en a un juste ici et il y en a un là, plus un deuxième là et dans la maison là il y en a 2-3, voilà des tonneaux de pêche pour avoir une canne à pêche ici, il y en a vraiment blindé. Donc maintenant que j'ai ma canne à pêche, ce que je dois faire, c'est trouver des coins de pêche. Donc voilà, comme par exemple ici, il y a des poissons et il y a un rond. Les poissons forment un rond, ce qui est un coin de pêche. Donc ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est collecter des poissons boucliers. Alors les poissons boucliers, c'est uniquement ceux-là. C'est les 5 que je vous présente à l'écran. Donc c'est les poissons plats, on va dire. Il va falloir pêcher un de ces poissons-là pour terminer le défi. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de pêcher un poisson bouclier. Ben, parfait, je viens d'en pêcher un. Donc, regardez, hop, c'est un poisson bouclier. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le consommer pour valider le deuxième défi. Donc, maintenant que j'ai validé le deuxième défi, ce que je vais devoir faire comme troisième défi, c'est de collecter de la pierre sur des roches des détours. Alors, les détours, c'est tout simplement le gros rond que vous voyez sur votre carte. Donc, vous ouvrez votre carte et vous cherchez après un gros rond comme ça. Et en fait, ce détour apparaît aléatoirement dans la map. Hein. Ça peut apparaître dans n'importe quelle ville. Donc moi, c'est pour ça que je m'étais dirigé vers Dirty Docks parce qu'en fait, le détour, il est là. Donc je vais devoir me rendre à cet emplacement-là. Mais il y a d'autres petits détours que vous allez pouvoir créer par vous-même. Donc c'est des anomalies de détour, ce que ça s'appelle. Et c'est représenté par des failles comme celle-ci que vous voyez ici, comme celle-ci que vous voyez là et comme celle-ci. Donc elles apparaissent toujours par trois. Donc dès qu'il y en a une qui disparaît, il y en a une autre qui réapparaît un peu plus loin. Donc vous pouvez vous approcher de ces anomalies de détour et ensuite ça créera un petit détour, donc pas un aussi gros que ça, un tout petit détour
uniquement pour vous et les joueurs aux alentours. S'ils voient que vous êtes là, ils pourront venir aussi dans les tours. Mais dès qu'il y a un petit détour créé, vous allez pouvoir aussi réaliser le troisième défi, qui est de détruire des roches dans les détours. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans le gros détour qui est juste là. Et je vais vous montrer c'est quoi les roches qui parlent. Parce que c'est pas n'importe quelle roche. Hein. Vous n'allez pas devoir détruire un mur. Il va falloir bien détruire des roches. Et les roches, c'est celles-ci. Donc, c'est les roches avec des sortes de carrés dessus. Comme s'il y avait des petits cubes dessus. Et vous allez devoir collecter au total 50 pierres. Donc, 50 unités de pierres pour terminer le défi. Donc, vous détruisez quelques roches. Hein. Regardez, je pense qu'en deux roches. Ouais, même peut-être qu'avec une seule roche, vous pouvez collecter 50 unités de pierres pour valider le défi. Donc voilà, rien de très compliqué. Alors, très important, là vous allez devoir, comme quatrième défi, utiliser un objet de bouclier dans les détours. Donc là, vous vous faites attaquer par un monstre, voilà, parce que là j'ai trop de shield. Donc hop, là il me reste 42 shield. Maintenant, je peux utiliser une mini potion. Donc là, je rentre dans le détour, obligé, hein, il faut que vous soyez à l'intérieur du détour. Et ensuite, vous consommez une potion de bouclier pour terminer le défi. Et le dernier défi est de subir les dégâts d'un adversaire et y survivre. Donc par exemple, là, vous allez devant un adversaire, il vous tire une fois ou deux dessus, et ensuite, vous le tuez ou vous survivez, vous vous enfouillez, peu importe. Il faut simplement que quelqu'un, un adversaire, vous touche, puis ensuite que vous survivez pour terminer le cinquième et dernier défi. Et quand vous aurez terminé le cinquième défi, vous aurez terminé tous les défis du personnage Rigzy. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 5 de Fortnite saison 8. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.